Aujourd'hui, je voudrais qu'on ait une pensée pour Jason David Frank. Bah, tu sais, le Power Ranger vert, là. Bah, il a un peu bercé notre enfance, quoi. Bah, le gars s'est suicidé, quoi. Triste. Mais en vrai, voilà, la déprime, quoi. Faut vraiment que les gens arrêtent déjà de se prendre la tête, d'arrêter de s'insulter, de se harceler, de vraiment prendre soin les uns des autres, quoi. Il y en a marre. En fait, il y en a marre, quoi, tout simplement. Il y en a marre de voir des gens comme ça qui en finissent de leur vie, quoi, pour des conneries, en fait. Enfin, je sais pas, mais enfin, c'est triste. T'en penses quoi, toi, Jean-Michel? Ouais, c'est triste, ouais. Ouais, non, mais... Oh, pardon, vous êtes là, bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo pour parler des occasions du jour sur Gran Turismo 7. Aujourd'hui, on a trois nouveautés peu intéressantes. Il y a un petit peu d'évolution de stock, mais globalement, ça se calme par rapport à ce week-end. On va analyser tout ça. Pour commencer, la BMW 3 litres CSL 1973, 203 000 crédits, elle est en stock limité, c'est le dernier jour pour la prendre. La Nissan Silvia KS Dia Selection S13 1990, également en stock limité pour le dernier jour, disponible à 58 400 crédits. Un véhicule qui est également à prendre si jamais vous ne l'avez pas encore ou que vous en avez besoin d'une autre. L'Alpine A110 1972 est exactement dans le même cas, à 140 000 crédits. La Ferrari 308 GTB 1975 vient d'arriver en stock à 177 300 crédits. Une voiture que vous pouvez remporter dans le GT Café numéro 38. Donc si vous n'avez pas besoin d'une seconde, vous pouvez passer votre chemin là-dessus. La De Tomaso Pantera 1971 vient de passer en stock limité. Aujourd'hui, elle est disponible à 164 600 crédits. Un véhicule que je vous conseille de prendre. Il vous reste jusqu'à demain soir pour l'acheter. La Honda Integra Type RDC de 1995 n'est plus disponible. Si vous êtes passé à côté, il faudra attendre qu'elle revienne en stock. La Mitsubishi GTO Twin Turbo 1991 à 39 600 crédits vient d'arriver en stock. Une voiture que vous pouvez remporter en ayant le permis national B en or. Vraiment, si vous n'avez pas besoin d'une seconde GTO Twin Turbo, vous n'avez pas vraiment besoin de l'acheter, il suffit de faire le permis. La Mini Cooper S 2005 est en stock limité à 23 400 crédits, mais vous pouvez l'acheter neuve pour 28 500 crédits. La Nissan Fairlady Z version SZ33 2007 vient de passer en stock limité aujourd'hui à 26 700 crédits. Vous pouvez l'acheter neuve pour 36 300 crédits, vous pouvez également la remporter dans le GT Café numéro 18. On passe ensuite sur la Ferrari Testarossa 1991 qui est en stock limité à 383 400 crédits et c'est le dernier jour pour l'acheter avant la rupture de stock. Donc si vous en avez besoin, il faut absolument l'acheter aujourd'hui. La Porsche 911 Carrera RSCS 993 1995 est en stock limité depuis aujourd'hui. Elle est disponible à 432 100 crédits, véhicule que je vous conseille de prendre. Et enfin pour terminer, une autre Porsche, la Porsche 911 Carrera RS 993 1995. Qui vient d'arriver en stock, et celle-ci, vous pouvez la gagner dans le GT Café numéro 31. Et si vous en avez besoin d'une nouvelle, elle est disponible à 213 400 crédits. On va passer du côté des légendes. Ça bouge un tout petit peu, mais c'est globalement assez calme. On a la Mercedes-Benz S Barker Tourer 1929 à 13 millions de crédits, qui vient déjà de passer en stock limité. Cette voiture est disponible depuis une semaine. Il vous reste donc jusqu'à demain soir pour l'acheter. La Nissan GT-R GT 500 1999 à 2 700 000 crédits est là depuis un petit peu plus longtemps, mais elle vient également de passer en stock limité, il vous reste aussi jusqu'à demain soir pour l'acheter. Et la Mercedes-Benz 300 SL Coupé 1954 qui est en rupture de stock, elle n'est plus disponible malheureusement, si vous êtes passé à côté, elle vous en coûtera peut-être un petit peu plus cher la prochaine fois qu'elle arrivera. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, à plus les gens.